Cela fait plus de 3 heures, sous un soleil ardent, que la foule est massée devant l'aéroport international Modibo Keïta ce samedi. Personne ne veut manquer ce moment. Des danses pour accueillir le héros, des chants soninkés scandent son nom. Mamoudou Gassama. Il arrive, un peu gêné, avec un sourire timide. Un sentiment de fierté, un sentiment de joie aujourd'hui, cet après-midi, à l'aéroport international Modibo Keïta. Nous sommes là pour accueillir notre héros, notre djarinté, comme on le dit en soninké, le lion, après avoir fait un acte de bravoure. Son acte de bravoure, avoir sauvé un enfant suspendu dans le vide, au 4e étage d'un immeuble parisien. Cela lui a valu une régularisation. Il n'est plus sans papier en France. Cela faisait des années, depuis 2013, qu'il n'avait pas pu revenir au Mali. Désormais, avec des papiers en poche, c'est possible. Les patriarches du cercle de Yélimané sont au rendez-vous pour accueillir le jeune homme. C'est Dieu qui l'a aidé à sauver la vie de cet enfant suspendu dans le vide. Donc il est important et primordial pour la communauté soninké de lui rendre un vibrant hommage en venant ici à Sénou. Le sourire de Mamoudou Gassama s'illumine quand il retrouve ses proches. Et puis, vient l'émotion. C'est-elle un homme politique ou une star qu'il fend la foule pour se rendre ensuite à son hôtel ?